petite vingtaine d'années. J'habitais à Marseille et je cherchais une école d'art parce que j'étais dans une voie de garage dans ma vie professionnelle. Je faisais de l'audit financier. Et j'ai trouvé une pub pour l'atelier de Jean-Yves à République dans un livre qui conseillait des écoles d'art. Et je l'ai appelé pour lui demander si je pouvais venir, que j'allais déménager à Paris. Et il m'a dit tout de suite, non, non, ça ne va pas vous plaire, ce n'est pas fait pour vous. Et devant quelqu'un d'aussi commercial, j'étais bien sûr accrochée. Et je suis venue, et puis c'était les débuts de l'atelier à République. C'était formidable parce que c'était enfin la manière de peindre que j'attendais. Et là, c'était un vrai apprentissage de peintre. Jean-Yves, il nous a mis dans une lignée de peintres. C'est comme si d'un côté, il y avait les dessinateurs qui colorient un petit peu quelque part, et de l'autre côté, les peintres qui vont chercher dans le mouvement, dans la matière. C'est les partisans de l'expression contre les partisans de la forme, si on se remet dans l'histoire de l'art. Donc là, nous, on est plutôt dans la lignée des partisans de l'expression. Le sensualisme, j'aimerais pas que ça soit une théorie un peu boursouflée, parce que justement, c'est l'inverse. C'est une manière de peindre, je dirais poétique, c'est-à-dire que c'est une manière de peindre en se posant des questions. C'est pas autoritaire, on dit pas je fais un dessin, je le colorie, et c'est moi qui vous impose ma vision de l'univers ou de la vie. C'est je vous montre mes questions, mon questionnement. Mes interrogations sur à la fois bien sûr la vision, donc effectivement il y a la différence entre la vision mentale, cognitive. Ceci est un arbuste, donc je vais vous faire un symbole d'arbuste et puis après je vais le dessiner et le colorier. Ou alors mon interrogation sur cette vision de la lumière qui joue sur chaque feuille et qui va changer en fonction du temps. Et je montre en fait ces questionnements dans ma peinture. Je ne fais pas quelque chose de défini. Moi, ce qui m'a plu, enfin, c'est que ça touche directement le spectateur parce qu'on montre nos émotions, nos hésitations, nos faiblesses, combien on est nul comme être humain, en fait. J'ai du mal à le définir parce que pour moi, c'est la seule manière de peindre. On commence avec un modèle. Donc, ça peut être une photo. Et pourquoi est-ce qu'on prend une photo comme modèle? C'est pour ne pas être dans le mental, dans le cognitif. Pour couper un petit peu le côté analytique qu'on pourrait avoir. Je dirais que dans un premier temps, on va travailler à comprendre, à faire le rythme des ombres et des lumières à partir de la photo. Juste deux couleurs, souvent le jaune pour le clair, le rouge pour le foncé. Là, c'est une photographie d'un homme qui est assis sur un tabouret de Marion Post-Wolcott. Et là, c'est mon travail en ombre et lumière. Et on se rend compte que ça devient un travail un petit peu sur les signes qui vont rythmer l'image en ombre et lumière. Donc ça, c'est le travail, disons que c'est les premières 3 heures quand on commence à travailler une toile, dans le même style. Recherche de rythme et de mouvement. Et ensuite, on pourrait dire que la toile dérape. Oh, je ne sais pas si on saisit le rapport entre la peinture et le modèle, mais cette toile a été beaucoup beaucoup travaillé et elle n'est absolument pas aboutie. Là, on est vraiment au moment où on ne sait plus trop où on en est. Là, la photo, elle me permet de ne pas penser à ce que je veux faire. Mais après, dans ce qu'il advient sur la toile, il y a des moments où ça me touche. Donc je vais garder. Il y a des moments qui ne me touchent pas, donc je vais recouvrir, je vais chercher encore.
Donc je suis toujours la photo, mais je m'arrête quand le bazar qu'il y a sur la toile me plaît plastiquement. Si j'avais pas eu de modèle, en plus, j'aurais été trop mentale. Le petit truc, c'est de retourner la photo et le tableau d'un quart de tour à chaque fois pour ne pas faire dans le bon sens, c'est-à-dire le sens où on comprend les choses, pour être vraiment dans la compréhension des ombres et des lumières. Disons que j'ai une lumière ici qui manque. En fait, on maîtrise rien. Il y a un peu des jalons comme ça, l'ombre et la lumière, l'espace, le mouvement, le rythme, mais c'est comme une danse en fait de peindre. Et on tente des choses et je suis un peu timide. Je sens qu'il faudrait que j'arrive avec de l'orange un peu. Ça passe ou ça casse. C'est des prises de risque et du lâcher prise.